Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour mes débuts sur FIFA Ultimate Team 15 sur l'appli web de FUT. Donc on va pas tarder, on va ouvrir les 5 packs que m'ont offert gracieusement EA. Donc on va commencer par le pack cadeau bronze, le plus pété, hein. On s'attend à de la merde forcément, on va l'ouvrir quand même. Bon désolé pour la si la qualité n'est pas optimale, mais mon PC est vraiment merdique. Owells, un MG de je sais pas où, enfin un gallois en tout cas. Voilà, jeu au pied magnifique, magnifique pack. Donc bon, on s'en bat les couilles, on va tout stocker dans le club pour l'instant. On voit qu'on a zéro crédit et ouais, c'est les tout débuts, hein. Donc là, il va commencer à avoir des packs plus intéressants. Donc on va commencer par les packs tout joueurs. On va voir ce que ça peut donner. Est-ce que j'ai enfin de la chance sur ce FIFA? Kaya, bon, c'est de la merde. Un décès, bon, après il a des bonnes stats. Hein. Je crois donc pas bien. J'ai un Monet Paquet, le MG de Saint-Etienne, pas mal, carte argent. Ilicic, machin. Kaya, 74 vitesse, pas mal pour un défenseur central. Bon, on va dire que c'est pas si mal. Tout stocké dans le banc, encore une fois, hein, pour l'instant on s'embête pas. On verra pour se faire des crédits un peu plus tard. Allez, troisième pack, qu'est-ce que ça va être? Ça lag de fou. Jardel, ouais, Jardel, pas terrible. Enfin, c'est déjà bien, hein, c'est un joueur hors rare. Mais bon, 61 de vitesse, ça risque d'être compliqué à vendre. Ibai Gomez que j'avais dans la série Ultimate Throne avec Silvio. Très bon joueur et pas cher. Sissoko, donc Jardel. Jardel, après, il est bon physiquement. Castro, c'est de la dope, machin. Sanchez, ok. Pas terrible. Pas terrible quand même, hein. On espère avoir du plus lourd quand même. Allez, tout vers le club. Il nous reste deux packs or. Avec un rare, donc espérons que ça soit du lourd. Allez, Higuain qui a pris 50 kilos sur l'affiche. Crichito, défenseur gauche du Zénith Saint-Pétersbourg, l'italien. Ah, un petit parisien aussi, on voit. Digne, Lucas Digne. Pas mal, Lucas Digne. Peut-être intéressant pour faire une petite Ligue 1 dès le début. Jackson, Oulahan, le maillot de l'AS Roma. Qui est assez joli. Et puis voilà, des contrats, machin. On va tout mettre dans le club encore une fois. Pour se concentrer sur ce dernier pack. Allez les gars, on y croit. Eden Hazard, va-t-il nous porter chance? Eden Hazard, vas-y, donne-moi du lourd, s'il te plaît. Pour commencer, FUT, ça serait pas mal. On part avec zéro crédit, donc s'il te plaît, ça lag. Diarra. Ouais, bon. Bah, comme d'habitude, j'ai pas eu de bol, entre guillemets. Diarra, un MDC français qu'on connaît. Alderweireld, enfin le belge de Southampton. Ah, Varela, c'est pas mal. Il a une bonne vitesse, bon en dribble, donc c'est pas mal à revendre en BPL en plus. Bayer, le bas, un ballon, c'est stylé. Maillot de l'OM, des contrats joueurs. Et la quenelle, qu'on connaît tous. Oh putain, il est beau lui avec sa moustache, si vous l'avez vu. Et puis voilà, bon, bah c'était le pack opening de ce début de FUT. On se retrouve tout de suite, enfin moi dans plusieurs jours, pour de l'achat-revente. Allez, à de suite. Donc on se retrouve quelques jours plus tard. Vous pouvez voir, donc vous allez dire quoi, 1000 crédits, c'est de la merde, l'achat-revente de mes couilles. Donc déjà, je suis pas du tout spécialisé en achat-revente, hein, je fais ça vite fait. Donc j'ai 1000 crédits, mais bon, j'ai pas mal de joueurs comme vous pouvez voir sur ma liste de transfert. Donc voilà, savoir que j'étais parti de zéro crédit, j'ai dû vendre quand même les joueurs que j'ai eu dans les packs, enfin certains. Parce que pour l'instant, mon équipe active, je vais vous la montrer vite fait, bon, ça ressemble à rien du tout. Voilà, c'est totalement pourri quand même, j'ai gardé Jean, etc. Donc comment, voilà, je vais vous montrer déjà aussi les bénéfices transfert pour l'instant. Donc voilà, bon, j'ai fait 6550 crédits. Donc c'est plutôt pas mal pour moi, en tout cas je suis pas un pro de l'achat-revente, mais voilà, on essaye de faire avec, de faire des petits sous-sous. Et donc je vais vous expliquer comment j'ai fait ces crédits. Alors tout simplement, moi je me suis basé sur des joueurs principalement or non rares,
qui jouent soit en BPL, soit en Bundesliga, parce que c'est les championnats qui, voilà, les plus intéressants et les plus recherchés surtout. Et donc voilà, il faut chercher des défenseurs centraux avec une bonne vitesse et des bonnes stats défensives forcément. Donc par exemple, vous avez du Red, le défenseur central de West Ham. Il y a aussi du Davis. Il y a plein de petits défenseurs centraux assez rapides. Tant qu'ils ont au-dessus de 72-73 de vitesse, vous pouvez faire de l'achat-revente dessus. C'est-à-dire que Red, par exemple, vous voyez, je les achète à 550. Et je les revends à 650, 700 à peu près. Donc c'est pas énorme sur un joueur, mais si vous faites ça sur la blinde de joueurs, à force, les crédits augmentent. Voilà, vous pouvez voir que là il y en a un qui est parti à 650, je l'avais peut-être acheté à 500, je sais plus. Donc ça c'est pas important, c'est des trucs que j'ai eu dans les packs cadeaux. Également Song, hein, Song qui est en BPL. Voilà, vous pouvez essayer de le choper à 600 et le revendre 800, donc ça fait une petite marge. Après là je suis en test avec des joueurs argent rare, donc je peux pas vous dire si ça marche encore parce que je viens de le faire tout simplement. Donc voilà, toujours des défenseurs centraux avec une bonne vitesse, des joueurs avec un bon physique aussi, ça peut partir. Et voilà, tout simplement, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, chercher des joueurs qui paraissent intéressants, essayer de les avoir peu cher aux enchères. Et même des fois en achat immédiat, si vous recherchez un petit peu des raids, il y en a qui sont partis à 350 en achat immédiat parce que des mecs voilà savent pas trop. Mais bon, ça c'est plutôt rare. Donc essayez de les avoir comme moi par exemple aux enchères, 550, pas plus, et vous les revendez 650 à chaque fois ou plus sur d'autres joueurs. Par exemple, voilà Song, essayez de l'avoir à 600 et vous le revendez 800, etc. Et vous faites des crédits comme ça. Après, vous n'allez pas vous faire des milliards d'euros, des milliards d'euros, des milliards de crédits avec cette technique, hein, mais bon, c'est voilà. Une petite technique pour essayer de faire des sous pour commencer voilà ce fut de 15 et plus tard se faire une petite équipe sympathique pour commencer le jeu, pour pas commencer avec l'équipe que j'ai par exemple. Voilà, je vais attendre d'atteindre les 10-15 000 crédits pour me faire une équipe sympathique, parce que là bon c'est du n'importe quoi on peut le dire. Donc voilà, dites-moi si vous voulez plus d'infos et de détails sur l'achat-revente, voilà. Qu'est-ce que je vais faire dans les jours qui suivent pour améliorer le compte en banque fut? Voilà, dites-moi si ça peut vous intéresser. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!